Oui, je sais. Chou, j'ai dit, j'avais dit la bullshit. Ah bon, bah, je savais anglais. Okay, là, alors, il y a des turbulettes à manches longues. Le nid d'ange, en fait, c'est un sac de couchage. Oui, c'est ça. Manches, voilà. Oui, mais donc voilà. La turbulette non plus. La turbulette, c'est une gigoteuse. Il y a des. Hop, des trucs. Oui, mais il n'y a pas de manches. Ah, on peut avoir des manches. Tout à fait. Il y a des turbulettes manches courtes et des turbulettes manches longues en fonction de la météo. Tout à fait. Bon, des turbulettes manches longues. Bah oui, mais l'hiver, quand vous habitez dans les Alpes. Oui, bon, peut-être. Dans un petit chalet. Bouche, eh bien, vous chauffez. Voilà, voilà, Marie, bon, là, on ne s'occupe pas du tout des turbulettes, s'occupe du bain. On s'occupe du bain. Oui. Bon, pourquoi on s'occupe du bain? Parce que c'est un moment essentiel dans la vie du bébé. On aime l'eau, on joue dans l'eau, on y passe du temps et c'est sympa. Donc, plus votre enfant va grandir, plus il va y aimer, y jouer et y découvrir des choses et y faire des apprentissages. Parce que ça, c'est quand même très, très cool de faire des apprentissages en jouant. C'est d'ailleurs la base. Ma petite cocotte. Donc, écoutez, ma petite cocotte. Bon, bah, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Déjà, on va utiliser tout ce qu'on a sous la main. J'ai nommé le tupper. Ouais, exemple, bah voilà, comment les recycler, parfait. Ça, qu'on a à peu près en 8000 exemplaires. 8000. Hein, on peut carrément l'utiliser. On peut utiliser le gobelet, on peut utiliser the spoon. En fait, on va pouvoir recycler toute notre dinette personnelle dans le bain. En plus, franchement, ça se lave bien, lave-vaisselle. Mais la petite seringue, c'est génial. Hein, parce c'est que génial. Alors, par contre, j'étais assez choquée de découvrir sur les réseaux, je vous le disais tout à l'heure, en sommaire, des mamans. Mais... Ah oui? Ah, mais c'est n'importe quoi. Regardez cette image, vous allez réagir en direct. Ah, mais c'est pas vrai. Hein, c'est mes enfants. Oh, quelle surprise. Non, mais je peux raconter cette anecdote? Oui, bah, racontez, parce que là, il va falloir que vous vous expliquiez. Voilà, je l'ai posté. J'ai dit, bon, les enfants, je vais plier vos pyjamas, parce que vous m'avez mis le bazar. Je suis allée plier deux bodys, j'ai entendu... Ils ont vidé tout le sac de... Mais tout. Ah oui, bah là, on voit qu'il n'y a absolument plus de place pour respirer quand même. Hein. Voilà. Je ne comprends pas l'intérêt non plus. Hein, mais les enfants ne sont peut-être pas comme tous les enfants. C'est ça. Donc, je ne vais pas vous faire racheter des jouets de bain. Hein, oh non, ça va. Mais il n'y a pas que des jouets de bain. Il y a aussi des voitures téléguidées, des trucs à piles qui rouillent. Des trucs qui n'ont rien à faire dans l'eau. On est d'accord. Bon, du coup, petit conseil quand même. On va pouvoir acheter quelques jouets de bain qui vont nous durer. Les meilleurs sont évidemment les jouets de bain qui ne moisissent pas. Ça, par exemple... Ça moisit pas, ça. Ah non, bah si, ça moisit. Ah. Mon contre-exemple, Agathe. Ah, c'est ça. Gicleur, tac, tac. Ouais, oui. Dès que ça fait fuite. Ça, on oublie, ça. Ouais. Alors, soit on met un petit point de colle au pistolet à colle, soit on baigne. On baigne. Voilà. Très clairement, on baigne. Alors, on va pouvoir acheter... On recycle. Oui, on donne aux chiens. Alors, on va pouvoir acheter des jouets gicleurs, si vraiment on y tient, qui s'ouvrent. Munchkin. Hop, on nettoie. Schlack, c'est propre. Pas mal. Hein, pas mal. Pas mal. On va pouvoir aussi acheter, schlack, des choses qui ne rouillent pas. Évidemment. Non, qui ne moisissent pas. Où sont mes petites choses? Des choses en néoprène. Je sais que cet éléphant va vous plaire, Agathe. Mais je l'adore. Vous l'aimez? Voilà. Alors, on va pouvoir faire du transvasement, parce que là, on va parler aussi des apprentissages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Voilà. Je le savais. Je le savais que ça allait vous plaire, ce petit J'adore. Éléphant. Hein, il est... C'est pour ça, Benjamin Muller. Le pire truc à dire, c'était ça, vous l'avez dit. Bon, bref, le néoprène, il y en a plein. Il y a aussi des petits bateaux, parce que ça flotte. Ça, c'est important, donc toujours pareil pour... voilà, vous m'avez compris. Alors, vous m'avez compris. Ensuite, on va pouvoir jouer sur les transvasements. Je vous ai présenté cette petite chose en début d'émission. Eh bien, là non plus, ça ne va pas moisir, parce qu'on a de l'eau qui circule. C'est beau, non? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, c'est Oxybul. Oxybul fait aussi des tubes. Ça, c'est canon, parce qu'on va pouvoir les mettre sur son bord de salle de bain. Schlack, regardez. N'importe quoi. Et on va pouvoir faire des circuits d'eau. Agathe, vous allez me remercier quand vous allez voir. Et donc, on va pouvoir faire des circuits d'eau dans sa salle de bain. Et ça va être extraordinaire. Ensuite, on a aussi des jouets qui aident. Mais oui, ça va être extraordinaire. Pourquoi se priver, au fond ? Mais oui, écoutez, franchement, des jouets extraordinaires qui vont aussi aider nos bébés si, par exemple, ils ont du mal à se faire doucher. J'en ai un, moi, voilà. Le petit. Alors, Félix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on opte pour ce genre de petite douchette qu'on laisse traîner dans l'eau, l'éléphant. Oh, c'est génial. Puis, je vais vous laisser actionner. Il faut pomper un peu, vous avez l'habitude. Mon chou. Oui, je sais. Non, ça te... non, donc, on fait comme ça. Et donc, ça va permettre de doucher son bébé sans que ça soit trop violent, par exemple, pour laver les cheveux, pour nettoyer, etc. Et puis, c'est rigolo, ça permet d'apprivoiser l'eau quand on n'a pas forcément l'habitude. D'accord? Super. Ça, c'est pas mal. Alors, on a également les petits VTEC. Bon, les petits VTEC, vous avez compris d'où il prend sa source? Bah, de l'eau, probablement. Il faut bien enfoncer l'éléphant, par contre, parce qu'il faut qu'il soit vraiment immergé. Ah, c'est ça. Noyez-le. Et voilà. C'est vachement bien fait. C'est cool, hein? Yukidou, ça s'appelle. Donc, j'ai craqué complètement sur ce petit canard qui s'appelle Gaspard. Bah oui, il s'appelle Gaspard. Quel beau prénom. Les tututes, vous vous souvenez des tututes bolides? Bien sûr. Voilà, qui font du bruit. Bon, bah, là, tututes marins, hop. Ah, c'est la même marque. Mais c'est quand même hyper sympa. Les enfants adorent.
Voilà, on les met dans l'eau, ça fait du bruit. Ça, c'est un truc électrique qu'on peut mettre dans l'eau, électronique. Ce qui est terrible, c'est qu'en 2019, pour une mère comme moi, la Madeleine de Proust, c'est ces petites musiquettes. Bah voilà. Bah c'est terrible. Et non, et ça, ça fonctionne très, très bien. Et je voulais quand même vous délivrer une petite astuce pour les enfants qui n'aiment pas se faire mouiller les cheveux. Ça arrive. Ah oui, j'en ai, moi. Voilà. Félix. Alors, il y a le gant de toilette sur les yeux, etc. Et toute nouvelle astuce testée, approuvée, le miroir. Ah. Vous allez demander à votre enfant, alors ceux-là sont super, ils viennent de chez Optoys, on peut les porter, vous voyez qu'ils sont en plus, on peut les mouiller. Vous allez demander à votre enfant de le tenir et de se regarder pendant que vous lui lavez les cheveux. Il va se voir tout moussu, vous lui faire une tour Eiffel sur la tête, et bien ça fonctionne. Bah c'est... Merci, oui, bon Marie. Bah, je vous en prie, mon cher. Maman Marie, oh, j'ai pas ramassé. J'apprécie votre sérieux et le sérieux de votre travail. Si vous voulez justement voir tous les tutos sérieux, un peu moins sérieux, de Marie-Père Arnaud, la maison des maternelles.fr est ouverte 24h sur 24.